Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver eh bien, pour cette nouvelle semaine et en plus nous entamons le mois de septembre. J'espère que vous avez passé un joli week-end et que vous avez passé de belles vacances. Nous sommes lundi 2 septembre 2024. Alors, eh bien, je vais prendre la petite pensée positive du matin. Et puis, je prendrai l'oracle de la forêt de Gaïa pour terminer avec le petit oracle des anges gardiens. Donc, avant de commencer, eh bien, la petite pensée de ce 2 septembre 2024, valeur. Bien souvent, ce n'est pas l'incapacité qui est à l'origine d'un échec, mais le manque de confiance en soi, ou ça va parler à certains d'entre vous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la clé. Posez votre question, n'est-ce pas? Dans votre tête ou tout haut, posez votre question. La clé. Alors, la clé est un symbole fort, c'est un symbole d'espoir, de confiance et d'ouverture, n'est-ce pas, vers, eh bien, peut-être de nouvelles possibilités. Et elle évoque aussi l'autonomie et le pouvoir personnel. Elle rappelle que vous détenez, eh oui, que vous détenez la clé de votre propre destinée et que vous êtes capable de créer votre réalité en accord avec votre volonté. Alors cette clé, vous allez avoir plus de confiance en vous. Vous allez peut-être avoir une révélation, une transition, une connaissance. En tous les cas, cette clé vous offre, eh bien, la solution en vous invitant tout simplement à explorer de nouveaux domaines ou à peut-être vous libérer des limitations qui vous entravent. Elle vous encourage, eh bien, à être ouvert aux possibilités qui se présentent et à avoir confiance en votre propre pouvoir et à utiliser, eh bien, vos connaissances et votre intuition pour peut-être déverrouiller les portes qui mènent à une vie plus épanouissante. La réponse à votre question, oui, non, eh bien c'est oui. La clé, elle déverrouille les portes qui vous séparent de ce que vous désirez. Il serait peut-être bon, pour déverrouiller ces portes, d'identifier les blocages. Qu'est-ce qui bloque pour ne pas savoir ouvrir ces portes? Est-ce que ce sont vos limitations ou les croyances limitantes qui vous empêchent, eh bien, tout simplement d'avancer et transcendez-les avec confiance et détermination? Vous savez, la clé vous apporte les réponses et les solutions à vos propres blocages. Peut-être qu'il y a un lâcher-prise à faire. Peut-être que l'univers, il vous dit, cette porte ne va pas s'ouvrir si vous ne faites pas ce lâcher-prise sur ce que vous vivez présentement. Peut-être qu'il faut déverrouiller ces portes en faisant des lâcher-prise. Est-ce que vous avez vécu ce qui était négatif, vous a fait grandir? C'est pas négatif, hein, parce que vous avez appris. Alors, il y a encore des choses que vous devez fermer pour pouvoir ouvrir, hein, déverrouiller d'autres portes. Donc, vous seul, vous le savez. Vous savez ce que vous vivez présentement. Qu'est-ce qui bloque? Quel est le blocage? Eh bien, faites en sorte de débloquer, de déverrouiller
ces blocages parce qu'il y a la clé. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Alors allez-y, c'est le bon moment. Voilà le message de l'oracle de la forêt de Gaïa. Maintenant, le message du petit oracle des anges gardiens, opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Waouh, quelle belle synchronicité avec la clé, n'est-ce pas? Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Waouh, peut-être ça hein, que vous devez fermer ces portes du passé. Peut-être faire ce lâcher prise. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Vraiment, on est dans une belle synchronicité avec la clé. Donc, vous savez quoi faire là maintenant. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et moi, eh bien, je vous dis à demain et je vous embrasse. À demain.